Alors, je m'appelle Mélanie, je suis originaire de Crée, j'ai grandi ici. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai découvert la police municipale en étant en troisième de collège, donc au collège à Saint-Louis à Crée. C'est un métier qui m'a tout de suite passionnée, donc à la suite de quoi, j'ai fait quelques études, quelques années d'études. Et puis j'ai décidé à l'âge de 20 ans de passer le concours de police municipale. Et à la suite de quoi, j'ai été ASVP sur la commune d'Alixan, donc j'ai travaillé avec un garde champêtre pendant 2 ans. Et j'ai été embauchée au 1er janvier 2021 sur la commune de Cré en tant qu'agent de police municipale. Du coup, ce qui m'a plu quand j'ai fait mon stage à la police municipale de Cré, c'est le principe, voilà, c'est un métier où on sert les gens, où on protège les gens, où on a un contact vraiment avec la population. Et c'est un petit peu ce qui me représente. Hormis le fait que les gens me prennent pour un homme, c'est souvent sur le marché, quand on a la casquette ou quoi, qu'on patrouille, c'est bonjour messieurs, oh pardon madame. Voilà. Bon, ça c'est la coupe de cheveux qui fait beaucoup, je pense. Oui, le concours a été difficile, hein, parce qu'il y avait 650 candidats en concours externe pour 23 places, donc ça a été difficile. Et puis ils prennent que les 23 meilleurs du coup.